c'est Louis Druckenmüller qui vous parle. Nous sommes le 27 février 1980. Bon, alors après l'essai avec l'appareil du René Flageolet, Blanc, on va essayer de t'enregistrer, hein. Ouais. Hein, mais je sais pas ce que ça va donner, alors je vais faire un essai. Et Blanc, comme ça a marché, tu peux t'approcher, et tu vas rechanter la chanson où t'as été à Darao. Hein? Bon, ce coup-ci ne te trompe pas, hein, parce que le premier coup, ça n'a pas fonctionné. Et je crois bien que c'est de ta faute, hein. Ouais. Alors, on va se taire un petit peu, et le blanc chevalier du Haut Chemin de Roquevaux, le numéro comment? Le numéro 9 du Haut Chemin, il va chanter une chanson où il était à Darao. Alors, au blanc. Il était en Lorraine, tout un tas de sales Prussiens qui feignant comme des hyènes nous ont vendus comme des chiens, tout en chantant comme autrefois en bon français, nous on ne s'en faisait pas. C'est le 15 janvier, le jour de nos misères, faut quitter nos chaumières. C'est un tachot qui nous a conduit, ces sacrés bandits. Mais car après la guerre, oh les auras, ils seront faits comme des rats, ces sales Prussiens-là. Pas assez de souffrance, on vient nous briser les cœurs qui remplissaient l'espérance, attendaient des jours meilleurs. Un triste soir, tous dans le cafard, on vient nous conter cette nouvelle histoire. La chose la plus atroce, ils embarquaient nos gosses, nos femmes et ces pauvres vieillards aussi, les sales bandits. Mais la victoire est proche, malheur à ces sales broches, on leur fit coupera à tous le gigi, comme des merles frits. C'est depuis l'Angleterre que De Gaulle nous a dit, vous êtes dans la misère, mais vous en serez vite sortis. Les Italiens perdent du terrain, bientôt il ne leur restera plus rien. V'là l'Italie prit sur les champs de bataille, fauchés par nos mitrailles. Ils ont quand même compris qu'ils étaient cuits, les macaronis. V'là Doucet qui se cavale, Hitler hurle comme un âne. Arrête, bandit, ou c'est moi qui sera pris, et me coupera le filet. Bravo! Une chanson faite par... C'était une chanson qui a été composée par le Blanc Chevalier du Haut Chemin de Roquevaux. Alors, c'était sûrement en 44, hein.